lorsqu'Abraham totalisa 100 ans, le Seigneur lui bénit d'une façon spéciale et lui accorda Isaac, sa promesse. Aujourd'hui, 100 ans d'un homme de taille, une grandeur s'impose dans le monde et ébranle le fondement de l'humanité en un seul jour, en 1914. La Sainte Trinité est révélée au monde. Les trois glorieux descendent enfin sur la terre. Les trois esprits évangiles de Simon Kimba, parmi lesquels l'Esprit Père Créateur, Kisolokelelukelo, descend lui en premier lieu. C'était le 12 février 1914. 12 février 1914, 12 février 2014, un siècle, enfin aujourd'hui. Alors les Kimbanguistes, de par le monde entier et leurs sympathisants, a célébré le centenaire de Papa Kisolokelelukelo Charles, l'enfant mystère du transfert du royaume de Dieu sur la terre, aujourd'hui révélé, dont ce temple en est l'autel et la pierre du témoignage. Dieu et son royaume. 100 ans aujourd'hui, Kisolokele aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui, devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissaient en 1914. Et en cette année qu'on prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la première guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu lui présentait son premier fils esprit, Kisolokelelukelo, aujourd'hui son centenaire. Bengeye kwa kuhu ya nyeza, Bengeye kwa kuhu ya nyeza, Bengeye kwa kuhu ya nyeza.
Nous avons lu le premier texte, psaume de David, chapitre 137, du 1er au 9e verset. Nous avons lu ensuite Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset, les 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements. Troisième texte à présent. Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 11. Nous sautons, nous lisons 17 à 19. Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 11. Nous sautons, nous lisons 17 à 19. Quatrième texte. 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 28. 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 28. Et enfin, le dernier texte, ça sera Zacharie, chapitre 6, versets 12 à 13. Zacharie, chapitre 6, versets 12 à 13. Nous lisons le premier texte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Batata ba mama bandeko loye monada widi ya gama na tokomisa to na sam molongo ya yambokino li bois ezali ko lakisa biso lolenge kani bana na Israël bazali attaché à Jérusalem. Bana na Israël, ceux qui ont longoli bango en dehors ya Jérusalem, bazali lokola mbisi ya ebale longoli bango na kati na ebale, oti bango na mokili bakauki. Toute leur vie, c'est Jérusalem. Tout ce qui compte dans leur vie, c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est là où réside leur Dieu. C'est l'endroit par excellence de la bénédiction et de la vie pour les enfants d'Israël. Rien n'est irremplaçable pour Jérusalem. Jérusalem. Alors ici, le psalmiste nous montre la désolation, le désarroi, la détresse la plus profonde des enfants d'Israël lorsqu'ils ont été amenés en déportation à Babylonie. Bakamati bakitar na bango bati yango na nzete. Balobito ko yemba bandi mo bakanti ki yambo kanabi sote ne sika ya bapaya. E bapaya bazali ko singa na bango. Est-ce que moyen te boyembe la biso bandi mo ya sion balobito ko koyemba yango te. Alors le poème fait une dramatisation excessive de la douleur des enfants d'Israël. Bazali koloba en Nzambe, les larmes aux yeux. Bazali kolela. Babi Nzambe. Soki biso tolongoli makanisi na biso na Yerusalem tokufa. Maboko na biso ya mibale kauka. Lolemo na biso ekangana na monoko na biso.
akei na se balobi nzambe tala ba oyo banguna na biso ma ibasalaka na Yerusalem komosa na yangote na tango yango le jour de la vengeance même bana ya muke oyo ya ba Edomite baka matabana wana ya muke ba bama bangoli kolona mabanga. C'est pour vous montrer à quel point un Israélite est attaché à Jérusalem. Dans le contexte qui est le présent, Moutou Babengi Kimbangiste, ce qui m'a canisinaïe et longue na yelou seleme, ce qui a zali kole late, ce qui mi bou, mi balé, mi sat, ce qui a zali komo na lissou, yelou seleme te, a zali ce qui mbangiste te. Parce qu'un Kimbangiste est attaché à Jérusalem. Vous ne pouvez rien remplacer. Mais ici, Kawana. Mais ce qui Kimbangiste, Azali ne Sengo, en dehors et à Yélu-Selem, Makanisinaye, Azali ko, Ezali le sous Nankamba, Yélu-Selem était, Azali Kimbangiste était. Kamouana Nzambe Atiaka na Israël. Kamouana Nzambe Alongaka na Israël. Apesa ki Amunakati na Biso, ce qui. Moto wana ya molimo oye ezali ko rattacher na Yerusalem ezali no li susute aussi la ki ko wa ba mama ba tata ki kongo na ngai ezali ya bandundi mais l'exhortation ça sera en trois langues vous comprendrez ba mama moko etuba na ben no? Kanange mungi mwana ya nzambe mbanza Yerusalemu Yerusalemu yampa kana mabanza nange nyonso ki muntu nange ya mvimba ki mukwikizi nange nyonso yoke dia kave na Yerusalemu na nkamba Yerusalemu ngeke dia ka Kimbangiste ve ngeke dia ka mukwikizi ve Luzingu kele dia kave na kati nange. Bana na Israel ba unyonsu. Mabanza na ba unginu na ba unyonsu tu. D'abord, le 17 mars, le Seigneur Jésus-Christ lui a prévenu que le 18, ils allaient se rencontrer. Effectivement, le 18 mars, ils se sont rencontrés. Et le Seigneur Jésus-Christ a tout remis entre les mains de Papa Simon Kimbangu pour qu'il commence son ministère. Alors Tata Simon Kimbangu a dit ce jour-là à Papa Kouvumana qui était à ses côtés. À partir d'aujourd'hui, cette montagne, Nkamba, devient la nouvelle Jérusalem. C'est ici que nous bâtirons la nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui font des études bibliques approfondies, pour ceux qui ont déjà étudié la carte de l'ancienne Jérusalem, Jérusalem antique, où c'était Salem, ils trouveront que Jérusalem, pour ceux, j'ai dit, qui font des études bibliques approfondies, la carte antique de Jérusalem, c'était un minuscule village de 700 mètres de largeur et 1200 mètres, soit 1 km et demi de longueur. Ça, c'est Jérusalem antique. Et tout autour, vous avez un défilé de montagnes. Aujourd'hui, si vous allez à Nkamba, Nkamba, c'est exact à l'identique Salem. 700 mètres de largeur, 1200 mètres de longueur. Lorsque vous quittez la maison vers Jeteki, vous allez jusqu'au bureau de son éminence. C'est exactement la même superficie que Salem. Lisez, voyez le dossier des Rochas. Vous allez voir la carte géographique de Jérusalem antique. Et tout autour de Nkamba, vous avez
ce qu'on appelle un défilé de montagnes. Au total, 9 montagnes, exactement comme l'ancienne Jérusalem. Dieu, c'est le géographe parfait, l'historien parfait, c'est le père de la science de tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est lui le créateur de cette terre. Ce qu'il fait, c'est toujours à l'identique. Alors, Papa Kimbangu a commencé son ministère. Et c'est dans cette contrée que la nouvelle Jérusalem est en train de se bâtir. Pour aller vite. En Kamba, Jérusalem, affluèrent les pèlerins qui venaient de, principalement de 3 pays à l'époque, de l'Angola et de Congo-Brazzaville, de toutes les provinces de la RDC. Mais en ce qui nous concerne, nous parlons de la RC. Je l'ai dit et je le redis. Papa Mandombe, le roi Mandombe, fut le premier à traverser la rive pour aller en Kam. Congolais de Brazzaville, le grand chef Mandombe, il était aveugle. Et lorsque le chef Mandombe, tous ceux qui l'accompagnèrent en Kam étaient arrivés, il fut guéri de sa cécité. Il recouvra la vie. C'est Papa Kimbangu qui a réouvert les yeux du premier Congolais, Mandombe. Et Papa Mandombe déclara à Papa Kimbangu, cette œuvre, Papa Kimbangu, ne doit pas rester ici, doit traverser le fleuve. Je veux que cette œuvre soit implantée chez moi. C'était le premier cordon ombilical. Et Papa Mandombe était sincère. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a collecté des vivres. Les 7 villages qui dépendaient de son groupement, il a collecté des vivres, il leur amenait ces vivres en Kam. Pour dire, papa, tous ces gens qui viennent ici, tous ceux qui viennent écouter le message, tous ceux qui viennent ici pour être guéris, j'amène de la nourriture. C'était le premier volontaire congolais de Brazzaville. Le premier volontaire, le grand ravitailleur de Nkamba. Ma maman batata, ceux qui balobina yo mboula ya jubilé, et zali mboula oyo, et sengeli moutou na moutou aye ba histoire na ye, toutaki wap, tozali wap, et tozali kokene wap. Congolais à Brazzaville, yende moutou, à part oya RDC, moutou ya ya mwafungwa maki mis. Papa Mandombe, Moutou Yaliboso, a memaki bilei nankama, Moutou Yaliboso, a senga kete moussala ya papa ki mangwe ya na Congo Brazza. Et papa ki mangwe pesa ki prophétie, li kamonyonso e kobana na Congo Brazza. Et c'est ainsi que le 20 février 1959, papa Matouba, oya kena ki simana papa Mandombe, etc. Eh bien, Lingomba, c'est le 20 février 1959, et je vois qu'il bon somina. Et je me rappelle l'ambassadeur de France, lors d'une réception, Nanda Kounaye, à l'Obelingaïbo, révérend, vous savez, il faut rappeler au chef spirituel qu'il n'oublie pas la France, parce que nous, les Français, nous sommes le premier à avoir reconnu le kumbanisme, avoir reconnu l'Église, avant même les Belges. Nous, les Français, nous sommes le premier. Les Belges sont venus après. Et ça, ça fait partie de l'histoire. L'homme blanc, tout intellectuel honnête, s'attache à l'histoire. On peut tout effacer sauf l'histoire. J'ai dit oui, Son Excellence, vous avez raison. Et j'ai rapporté ça à papa, à Son Éminence. Papa dit oui, nous ne pouvons pas oublier la France. Et nous ne pouvons pas oublier le Congo. Le Congo, c'est le fils aîné de l'Église kumbangiste, autant que la France est la fille aînée de l'Église catholique. C'est cela l'histoire.
Bobé bis histoire na binoté. Bobé bis alikamo yon zamba pesi binoté. Et c'est comme cela que la reconnaissance officielle de l'Église que Magniste est intervenu au mois de février ici en RC, autant que c'est le mois de naissance du premier fils de Papa Simon Kimba. Le 12 février, naissance de Papa Kisoloke. 8 jours après, c'est-à-dire le 20, reconnaissance de l'Église Kimbangis ici en Ernst. Chiffre 8. C'est encore Papa Kimbango, il avait quitté sa prison le 4. Et le 12, c'est-à-dire 8 jours après, il est mort à Lubumbashi. Ça se passe comme ça. Ce sont des dates et c'est l'histoire. Et ce sont des dates remplies de symboles. Batata, ba maman. Mondele a kangé tata ki mangu toujours ki ne mangu. Akei na yena ex Elizabethville à Lubumbashi. Et l'homme blond est resté en Kamba, gardé en Kamba pendant 40 ans avec une troupe de 120 soldats. Le noir ne pouvait pas accéder à la colline sainte de Nkamba, si ce n'est que pour faire le nettoyage. Nkamba a été gardé par l'homme blanc. Ça veut dire que l'homme blanc avait conscience qu'il y avait un patrimoine spirituel inestimable ici, en Nkamba. Mondele, Azobate la Moka, à Tiki Bisika, il va en brousse, au sommet d'une colline en brousse, avec une troupe de 120 soldats en train de garder un minuscule village, parce que Nkamba à l'époque n'avait que 8 cases. 8 cases. Et l'homme blanc y est resté pendant 40 ans. C'est parce que là, il y a quelque chose d'irremplaçable. Bien-aimé dans le Seigneur, Batata, ba maman. Et ça la kamawa. Et ça la kapasse. Lorsque Yomoutou, Ozali Kobi est batté. Et c'est à partir d'un Kamba, le 18 mai 1921, que nous avions commencé à chanter de cantiques inspirés par des anges. Amake Samanongede. Un cantique qui venait directement du ciel. Papa Jean Mokok le capta et l'entonna, on le chante. Et nous avons depuis le 18 mai 1921 une manne céleste intarissable, les cantiques qui viennent. Sans parler des visions, sans parler de rêves, sans parler de messages, de magistères, c'est-à-dire de chefs spirituels. Ça, c'est ce qui concerne Jérusalem. Maintenant, la question que je me pose, je vous pose à ce stade. Est-ce que Ndengeyo Vandi, Makanisinayo, Bomotunayo, Ozaliko Kanisakankamba Yelusalem? Est-ce que yo, loko la papa Mandombe, loko la papa Matouba, loko la papa Obambi, Fadouma, Likuta, ce sont là des Congolais ici, je peux vous citer des milliers qui sont allés à Foriami et à tout ça, qui ont souffert, qui sont morts. Savez-vous que des gens sont morts dans ces pays ici? Soko Kamati, ba papa Matouba kuna dans le sud, Samuel Matouba. Soko Kamati vers le nord, ba papa Fadouma, ba papa Obambi, ba papa Likuta, tout ça vers le nord. Soko Kamati bango nyonso tout ndenge ba mona ki passe, ba waka natina dans likamoyo. C'est un héritage qui vous est transmis. Vous ne pouvez pas piétiner sur cet héritage parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et les morts ne sont pas morts. Deuxième texte. Batata ba maman. Mibeko. Mibeko ba pesa kayamou na moutouyo azaline la kananzam. Sepe la soko ba pesi yo mibeko.
Nzambe apesa ki mobeko na Israël et zalinde bizaleli ya Nzambe pour faire de cette nation Israël la locomotive des nations, nation phare, nation élevée, nation remplie de sagesse, de puissance, de prospérité. Yangwana Nzambe apesa ki bango mibeko pe te bazala batu ya yambo bazala mukila te. Soki mibeko epesa mele biso bakimbangiste particulièrement. C'est parce que tata Kimbangu alobaki mwindo akuzala mundele, mundele akuzala mwindo. C'est parce que papa Kimbangu alobaki yango et que te biso tokozwa bonsomi, tokotambolisa moko na biso biso moko, tokotia mibeko ya biso mundele akotosa mibeko na biso. Il a parlé de l'indépendance, de cette prophétie, de son travail de veille spirituelle. Il y a eu l'éveil de la conscience qui a amené à l'autodétermination et finalement à l'indépendance. Les chaînes se sont brisées et nous sommes libres. Et donc Dieu voulait faire de nous, non pas la queue, mais la tête, la locomotive des nations, pour que l'homme noir en général, pour que le Kimbanguiste en particulier, soit la tête et non la queue. Pour que nous puissions vivre en paix, parce que l'homme noir a connu ce qu'on appelle la traite négrière. Vous connaissez les chiffres? Près de 210 millions de gens sont morts esclaves. Ce sont les chiffres de l'UNESCO. 210 millions de noirs qui sont morts durant la traite négrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 fois tous ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les chiffres de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 50 millions. Multipliez ça fois 4, la tragédie de l'homme noir, rien que pour la traite négrière. Et parmi ceux qui ont souffert, qui ont payé le prix fort de la traite négrière, l'esclavage, ce sont des Congolais. Encore une fois, vous devez interroger votre passé. Les Congolais étaient le noir le plus cher en Amérique. Pourquoi? Parce qu'il était sage. Il était docile. Il n'était pas bagarreur. Il était docile et puis intelligent. Il apprenait le travail qu'on lui montrait en un laps de temps. Il apprenait. Et le Congolais était le plus grand caterpillar de l'Amérique. On le recherchait. Si les autres noirs coûtaient, mettons, 20 cents, le Congolais 100 cents. C'était l'espèce la plus prisée. Et c'est ainsi que on a dépouillé nos pays. La plus grande tragédie, elle est avant tout de l'homme noir congolais. Interrogez l'histoire. Et lorsque papa Kimbangu alobi mwindo kokoma mundele, mundele kokoma mwindo, alobi bobate la mibeko, pourquoi? Parce qu'il voulait que nous vivions en paix. Parce que nous avons beaucoup souffert. Nous devions vivre en paix, en sécurité, sans souci chez nous. Parce qu'il voulait que nous vivions dans la prospérité. Il n'y a pas que la traite négrière. Il y a la colonisation systématique. Il y a des épidémies. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Avec la Première Guerre mondiale, l'effort des guerres. Vous saviez combien de Noirs mouraient lorsqu'on faisait des chemins de fer? Combien de Noirs mouraient lorsqu'ils devaient transporter à d'autres hommes de rails de fer? Combien mouraient? Pour le chemin de fer, calculez le nombre de morts de Noirs. Pour aller soutenir la guerre mondiale, combien de Noirs sont morts? Alors il voulait pour nous la paix. Il voulait pour nous la paix. Yangwana ba pesa ki biso mibeko. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Masumu ko sala yango te. J'ajoute un verset pour appuyer les Kamoa. Batata ba mama, vous allez lire ça dans Nombre chapitre 15, verset 15. Dieu dit aux enfants d'Israël,
Nzambe alobi na bana en Israël. Alobi na bango, moi je ne fais pas de différence d'homme. Je traite les Israélites de la même manière que les étrangers. Ponangai mutumune na zalakate mutumoke azalakate. Les règles, mes lois identiques pour tout le monde. Mon bec, mes alli passe, mes alli mon bec. Je vous donne un exemple. Dans notre collège en RDC, Mibeko ya lingomba elobi ete nganga nzambe, nganga nzambe. Écoutez très bien votre attention s'il vous plaît. Nganga nzambe. Soki ya koti na boloko pour des faits infractionnels de droit commun. Tango ya kobima na boloko, il est sous discipline. Il faut abana malongi. Soka bani malongi ba yambiye hyper ba grade na nyonso. Ça principe et méthode. Alors à Kinshasa, nous avons eu représentant légal premier suppléant, c'était son nom, représentant légal premier suppléant comme moi. Il avait été arrêté pour des délits de droit commun. Il est entré en prison. Quand il en est ressorti, nous avons sorti la loi. Nous avons dit, papa, vous êtes représentant légal premier suppléant au sommet, mais la loi dit que toi là, faut que nana malonge. Bayam bayo. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que la loi, nous lisons la loi. Oyabisu yabunganga. El ni kolobake yo, ola na malonge. Tango yoko la na malonge, bako yambayo. Loko lan sete lama. Tango bako yambayo, loko lan sete lama, ça veut dire que tu n'es pas catéchiste, tu n'es pas concierge, tu n'es pas diacre, pasteur, ainsi de suite. Tu redeviens là, premier suppléant, tu redeviens choriste. Alors tu vas entrer dans une chorale en entendant qu'on te choisisse comme concierge. Là, dans la chorale, tu seras dirigeant chorale à côté, là, ce qu'on voit, nayo, votre timbre vocal, qu'on a soprano, bien alto, ou bien carrément, vu votre âge, karma na basse. Vous allez rester là-bas. En attendant qu'on puisse voir ce que le concierge. Vous savez ce qu'il a fait? Je ne cite pas son nom, mais c'est vrai. Parce que moi, je suis membre du collège. Il a tout simplement quitté l'église pour rejoindre la dissidence. Parce qu'au moins là, il gardait son grade. Mais ici, chez nous, la loi, elle est la loi. La loi, elle est dure. Mais elle est contraignante pour tout le monde. Et c'est ça qui fait la force du kumbagisme. Bolingo, Mibeko pe misala. Sans la loi, on devient dehors la loi, la jungle. Vous serez une communauté grande, bruyante, tout ce que vous voulez, majestueuse, tout ça. Mais sur le plan spirituel, zéro. Vous ne pesez absolument rien du tout. Troisième texte. Batata ba mama. David était le roi selon le cœur de l'Éternel. Lorsque David, il avait un royaume magnifique. Quand il est mort, son fils Salomon l'a succédé. Et Salomon, qui était un roi de renommée internationale, immensement riche, immensement, éminemment intelligent, tout ce que vous voulez. Salomon, quand il est mort, bref, pour gagner du temps, le royaume était divisé. Il y avait son fils Roboam d'un côté, et il y avait un grand aventurier, Roboam, qui lui aussi devint chef, devint roi. Il avait pris, du quoi, le plus important, c'est que Jéroboam, des... Moi, j'ai l'impression que les Israélites ici, à force de rentrer à Jérusalem pour aller offrir des sacrifices, et s'ils rentrent là dans le temple, leur cœur va rentrer vers leur maître Roboam, la maison de David. Alors, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Roboam réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire pour empêcher les Israélites ici?
de rentrer à Jérusalem. Là où il y a leur Dieu. Là où il y a le trône. Qu'est-ce que je vais faire? Alors Robin a réfléchi. Il dit, ah bon, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une statue ici. Je construis, je bâtis une stèle ici. Alors je fais Israël. Le Dieu que vous allez à Jérusalem là, le Dieu, vous montez, vous vous fatiguez tous les jours à traverser la rivière ici, à aller à Kinshasa, traverser le Dieu que vous allez chercher en Kama à Jérusalem. Mais il est ici, ce Dieu-là, il est ici. Ça ne sert plus à rien d'aller là-bas en Kama à Jérusalem, parce qu'il est ici. C'est statue, cette statue. Mais c'est le Dieu que vous allez chercher là-bas. Cette statue, c'est le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Alors, Akamati Banganga Nzambe Atani si Bangwa lui offrait les sacrifices qu'il avait fait. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Tout est ici. Tout est ici. Ça ne sert à rien d'aller là. C'est exactement ce qui se passe dans ce pays, le Congo, dans cette ville pointe noire. C'est ça exactement ce qui se passe. Kimani. Maintenant, nous avons dit que nous avons un camp à Jérusalem. Tout le temps, nous avons un camp à Jérusalem. Nous avons un camp à Jérusalem. Nous avons un camp à Jérusalem. Vous allez pour adoration, pour toutes vos prières. Toujours un camp. Chaque jour, chaque mois, vous allez en camp. Mais vous vous fatiguez pour rien. Le Dieu d'un camp, il est ici à mon camp. Ici, ici, il y a Dieu. Ça sert à rien d'aller là. Vous vous fatiguez pour lui. Ici à Mongonka. Il est ici. Ndamo ya longola ki disona bombo. Oh ya bengana ka ba français, ba belge, ba portugais, ba kenaka. Ndamo ezili saki makamu wana nyons. Il est ici à Mongonka. Ça sera rien d'aller là. Il est ici. Je vais vous lire la Bible. En tant que serviteur de Dieu, je veux que tout soit conforme Saintes Écritures. Lisez Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Je vais me faire le devoir de vous lire ce verset. 3, verset 15. Je le lis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. C'est ça ce qui est écrit. Dieu fait que les événements se répètent. Ce qui arrive maintenant, tout comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait en sorte que les événements se répètent. Et les événements se sont répétés ici au Congo. Le fils aîné de l'église Kimbangi, c'est là que la catastrophe s'est installée. C'est là. Dans la maison du fils aîné de Kimbanguise. Pire, c'est à Pointe-Noire. Voilà comment Pointe-Noire entre dans l'histoire. Nous sommes là en train de passer de moments qu'on appelle le temps historique. Et tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce qui se déroule ici, sera écrit dans tous les manuels de l'histoire. On les lira de siècle en siècle. Vous avez intérêt à corriger cela. Parce que la mémoire collective, tous les théologiens dans le monde se diront que l'histoire se répète. Malheureusement, Pointe-Noire. Tout ce qui arrive maintenant, tout comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit. La division qui arrive là, que vous êtes en train de voir, c'est déjà produite. Où c'est? Au ciel. Où Obadan, Lucifer, Abéliath, tous ces archanges se sont rebellés contre Dieu et ont amené dans leur rébellion des milliards et des milliards d'anges. Les ciels s'est ouvert. Pourtant là, c'est au trône. Ils sont descendus sur cette terre. Ce qui arrive là, tout comme arrivera plus tard, c'est déjà produit. Au ciel. Ce qui arrive là, maintenant,
tout comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit en Israël. Ce qui arrive là, à l'église Kimbangis, n'est pas une nouveauté. Ça s'est toujours produit comme ça. Alors Dieu, au temps fixé par lui, il intervient. Mais Dieu n'intervient jamais sans avertir. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est de vous avertir. Alors la question qui est posée tout naturellement. Est-ce que pour vous, il est nécessaire d'aller en Cam à Jérusalem, où il y a le temple, où il y a le lieu de l'adoration des louanges, où Tata Kimbangu, en 1921, dit, vous accueillerez toutes les nations de la terre pour glorifier ensemble le Seigneur ici. Est-ce que vous irez en Cam? Ou vous n'irez plus parce que votre Dieu est ici à Mongongkam? C'est la question que je vous pose. Et tout le chemin de l'avenir passe par là, par cette décision qu'il faut prendre aujourd'hui et maintenant. Il faut prendre cette décision. Vous irez en Cam? Ou vous resterez ici? Parce que vous avez votre Dieu ici. Parce que vous avez votre nouvelle cité ici. Ou vous irez en Cam? Ou vous resterez à Mongongkam? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le choix que vous devez faire. Papa qui solo kele a dit tangonga na kowa na kovanda na kiti anga ya mulaya wa na nkamba mabota mansu ya mukili mubimba iko ya na nkamba po te baswa mibeko oko kina na nkamba po na kozwa mibeko bioko kena te opiske vous kozana mibeko na bino musu swa. Papa Dialunga na di na tikele bino nkamba oyo banana nkendolo botonga nkamba Yerusalem bozwa 3/4 à science et à développement 3/4 ba mwindo oyo bakenaki ba mindele bakoya kozonga toutes ces prophéties se réaliseront botonga nkamba okotonga ngobe okotonga yango te parce que vous avez votre mongo nkamba ici que vous allez construire. Ba tata na biso bango nyonso bazalaki ko matakuna na nkamba Jérusalem ba fête nyonso aujourd'hui ezala tata Simon Kembam ezala papa solo que le papa Dialunga na papa Diange na ba mama bango nyonso nous venons de fêter jubilé à maman Mouyou et puis maman Mouyou nzoto na yempe et matin na nkamba Jérusalem okokenda obi okokenda te. C'est ça la question à laquelle vous devez répondre ba mama ba tata. Nkamba Jérusalem. Ngeta kwena dia ko bien ngeta kwena dia ka benge mo singe zonzie. Ndila ya nkamba Jérusalem. Yemi zimana nange samge mezwa. Nkamba ya nkaka. Ah, nzami ya nkaka. Ou bien ngeta kwena na nkamba, luzingu nange na nkamba. Ce que Dieu nous a donné un patrimoine national, africain et universel. Est-ce que vous irez encore? Ma mama batate. Est-ce que ben ta kwena dia ka nkamba? Ndila ya nkamba. Pour terminer, ma tata, ma maman, 50e anniversaire, le kimbangisme et le cinquantenaire de l'indépendance de la RC. Thème, Yamate, le kimbangisme. Alors ici, Balakisibison a Lévitique 6, verset 12 à 13. En bref, Baebisibison, entre les deux hommes, il y aura une entente parfaite. Bref, entre les deux hommes, il y aura une entente parfaite. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que, na lingomba, na l'État, Fubatambola, Nzela Mokoba, Salanaboyoka, l'État, na lingomba. Tata Kimbangu tango ye a ye a memeli biso lingomba a memeli biso l'état a memeli biso pe ndinga na biso a memeli biso makokinyons. Alors ezali ko senga ma Zakaria lobi entre les deux hommes il y aura une entente parfaite parfaite boyoka ne kozala na bango ba maman ba tata lingomba yango ko simba l'état l'état a ko simba lingomba. Mboke kozwa kimia. Ba maman ba tata.
C'est la parole de Dieu. Lingomba aussi mal état. L'état aussi mal lingomba. Maman batata. Mokana nanzamezo la kisabiso. Moule ezali moula ya jubilé. Moula ya jubilé. Ezali moula ya bonsomi. 50e anniversaire. Dieu avait dit aux Israélites. Tous les 50 ans. Awa bino bozi bonsomi. Soko mi bo ekomi 50 ans. Ezali moula ya bonsomi. Boko sa la fête ya monene. Moutou na moutou ako zonga na libota na ye. Moutou na moutou ako zonga na mabele na ye. Eko sala moula ya isengo. Ba nyongo nyons. Même à temps de connaître à des fois qui est loin que pas na yo, ce que beaucoup mina mula ya jubilé, à koki na kofuta ya ngote, longola nyongowa n'empêta zo bonsomi, motapé ko sala momo ya ndekone motote, te na mula ya jubilé, mula oyo jubilé, ça veut dire quoi pour nabiso, ezali mula oyo, o kangisa ki mwana bato abotate, yo moko fungola, il faut abota, oya bala kate o kanga il faut abala. Et si kaba zamba mususu bakanga ngombi sezalite, il faut tout libérer. Ezali mbula ya esengo jubilé. Ezali mbula ya esengo. Mutu akoki kozala lisusu momo ya mutu mususu te. Libanga moko ekoki kozala lisusu likolo na libanga mususu te. Ezali mbula ya esengo, mbula ya bonsomi, mbula oyo mutu na mutu azali kozonga, azali ko récupérer patrimoine perdu na ye. Ba tata ba mama, c'est ça ce qu'on appelle jubilé. Alors jubilé étant une année de joie, une année de paix, une année d'indépendance, de liberté, le bien le plus précieux qu'on puisse donner à un être humain, c'est la liberté. La liberté, elle est irremplaçable. Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola, ba vivre ba guerre belé, les gens sont morts pendant les 50 ans et indépendance Nabisso. Maintenant, la Bible dit, vous connaîtrez la paix. Vous vivrez dans votre pays en toute sécurité, sans souci. Ma belle nabino, et que vous avez sabino ba récolte. Vous allez colo nabilo, que nabino nyo soto ezali kobima. Vous n'avez pas besoin d'engrais. Pourquoi Dieu lui-même sera la source d'engrais? Il bénira le sol. Boko soit boko lia, boko sepela. Dieu ne le fera que c'est lorsque vous respecterez la loi du jubilé. Ba maman ba tata, que personne ne vous trompe, bien-aimé. Montou akosayote. Le chemin de l'avenir passe d'abord par le chemin du passé, le chemin du présent. Ceux qui ont allé l'état, vous allez mokonzi. Lingomba nzambe na yo nzela oyo yo zali kolanda o simbani na nani o simbani na nani aujourd'hui comme disait Moïse Dieu est en train de mettre devant nous la vie et la mort le chemin de la vie et le chemin de la mort Dieu est en train de mettre devant nous aujourd'hui le chemin de la paix, de la sécurité, de la sérénité, le chemin de la prospérité et le chemin de la ruine, du chaos et de la mort. Vous choisissez vous-même. Vous êtes libre. Ou vous allez tous vous tourner vers Nkamba Jérusalem. Et vous allez marcher selon la lumière d'Nkamba Jérusalem. Batata, ba maman, pour terminer, je veux vous dire une chose. Juste cela. Batata, ba maman. Motomoko ya mayele babenga Einstein. Einstein alobakete. La religion sans la science. Ezali aveugle. Et la science sans la religion est boiteuse. Makamwana mi baleta mola kanzela moko. Batu bazalaki koloba Galilée déjà en 1609. Galilée, rejoint par Copernic et puis Kepler. Bah, savant on a balobaki. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est plutôt la terre qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Bah, bon, maki bam. En 1609, Galilée. Ezalite,
ma belle to moi yango et tambolaka et lingaka ma belle mais plutôt ma belle ezali ko sa la rotation na ye moko pe yango de tambolaka ba boma ki ye observation spatiale banaki 4000 ans avant Galilée soko kamati 4000 plus 400 ans l'année dernière ça fait 4400 ans. Et papa Diangé na salaï koloba moto mwindo a salaï 4400 ans ya boum. Et le 44e président américain au Longoli ba zéro nyon sotoumi balé et comme chiffre 44 en 2009. Un noir est entré le 20 janvier, jour où tata ki mangwa kota ki na prison na Lubumbashi. Et ce jour là que Barack Obama est entré dans la demeure la plus prestigieuse des États-Unis, l'homme noir. Le monde ne sera plus jamais ce qu'il a toujours été. Tout a changé. Nous devons récupérer notre leadership. Vous savez que le Congo, Yaoundé Bimisaki timbre wana na 1987, centenaire à Papa Kimbam, Bimisaki timbre. Tango timbre wana et tamoli na baboite postale et tamoli na mokili mobimba. C'était le début de Perestroïka. Mokili et Ningani, 4 ans après, c'était la fin de l'ex-URSS. Une superpuissance s'est écroulée sur elle-même, sans guerre avec l'autre superpuissance. Aujourd'hui, on va vers le démantèlement de toutes les armes atomiques. Le monde ne sera plus ce qu'il est. Et Gorbatchev avait dit, il a encore répété le 30 octobre dernier, devant George Bush, père, dans une émission à TV5, il dit, moi j'avais prophétisé que Mbonge a changement et reçu Kakakuna Nabisona avec l'URSS. Ça va atteindre également les États-Unis. Qui aurait cru que l'homme noir pouvait devenir président des États-Unis? Aujourd'hui, c'est évident. Le monde ne sera plus jamais ce qu'il est. Tout part ici du Congo. Batata, ba maman, la main sur le cœur. Vous avez une décision historique à prendre. Ou vous allez en camp, vous tournez vos pensées, vous tournez votre cœur, vous tournez vos paroles, vous tournez tout ce que Dieu vous donne. Si vous regardez vers Nkamba, vous ferez redémarrer cette terre, ce monde. Il ne sera plus jamais le vent de changement. Vous n'allez pas arrêter cela. Tournez-vous vers Nkamba. Si vous vous dites, bon, nous avons trouvé notre Dieu ici à Mongo Nkamba, Dieu vous enlèvera votre droit de fils aîné de l'église Kimbalise. Et vous serez comme Esau, qui avait la promesse. Pourtant, il avait la promesse, mais il a manqué la promesse. Jacob, qui n'avait pas la promesse de la part d'Isaac, a pris cela. Et ce qu'on nous a mis à Longolio et Loco, nous pouvons récupérer place Wana et Kozalamibou et Bélé, au comment on en passe. C'est maintenant le temps de l'histoire avec grand H. Ça s'écrit aujourd'hui, là, on écrit ça. Les grands événements, on dirait Batou Bazali Kosakana, mais c'est des grands événements, de grands moments de l'histoire, on l'écrit. Vous me donnerez raison dans les jours, dans le mois à venir. Alors, Papa Simon Kimbango Kiangani, le chef spirituel et représentant de l'égal de l'église kimbangiste, a lobby na lingité avant jubilé, il y a RC, jubilé, il y a RDC, na lingité makambo, il y a dissidence, mon boulot, il y a salaté, na lingi kimia, il y a salanakati, il y a lingomba, pour kimia, wana ekota na Congo Brazza, ekota na Congo Kinshasa, kimia ekota. Bakondi nabiso, l'état nabiso, nabiso, toto ngamboka ya sika pour passer le kimingi. Je demande à la chorale centenaire Bopusana Awa, Boyem, pour que vous écoutiez vous-même la parole de Papa Simon Kimbango Kiangani, venant de lui-même. Chorale Yemba Kiboyemba Nzemo Boyemba Kialiboso. Vous écouterez la parole de Papa Simon Kimbango Kiangani, tel que je vous l'annonce, mais venant de lui-même à travers le cantique. Boya wa boyemba na katikati. Et lorsque vous aurez écouté ça attentivement, la prédication sera terminée. Oye zali mula ya isen. Oye pesa melinguya ya likolompe ya se.
oya vandi na nkamba Jérusalem yende ya kosepelisa yo oya beta katolo ayebi pona nina zo beta tolo mtu akwe ko beta tolo te so kwa yebi ntina te nga inde mtu na kosepelisa bino mbula 2010 se biangami jubile sali mbula ya iseni ya mwana bakonja mboka na biso balobi le chemin de l'espoir mais le chemin de l'espoir yoka nakati na nzeme Nkamba Jérusalem. Abimisaka timbre na 1987. Mokili ekota na changement ekotika la lisusu ko sala bongote. Aye lisusu ko zongi sabango na mula oyo biso tozali bakonjo bazalaka bazali. Ça veut dire quoi na lobaki yango na Brazzaville. Mission na bango isila kite. Yango esengeli ba continuer mission na bango. C'est vrai. Yango ezali ko senga na biso bakimbangiste to sima l'état, l'état asima bakimbangiste. Nkamba Jérusalem. Papa Simo Kimbango Kianga. Soki to landi ye ndenge. Bande ko na biso ya dirigeant baye mbaka. Le temps c'est pas le temps mais je demande na dirigeant Boye Manje Tokolanda Papa Simon Kimbango Kiangai. Que Dieu bénisse cette parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chant d'ensemble.